zone présente une importante radioactivité. On ne survivra pas si on s'y attarde. Comme au bon vieux temps. Excuse mon manque de nostalgie. J'ai mappé toute la zone. La seule issue, c'est par en bas. Du combat rapproché dans un complexe minier, je suis pas très chaud. Moi non plus. J'ai jamais voulu ça. Mais on n'a pas le choix. Ah, bravo! C'est trop élaboré. Ce n'est pas du travail d'amateur. On s'en fout. Tout ce que je sais, c'est qu'ils verront pas la couleur de leur argent. Reste sur tes gardes. Nous ne sommes pas en lieu sûr. C'est mettre du cœur à l'ouvrage. Crevard ! Écoute pas ! Le crevard pisse sur les anges, mon pote. Sacré bordel. Il y a assez d'artillerie confédérée ici. Que ces dégénérés en fassent leur nouvelle religion. Détruisons tout. Il ne faut pas laisser la moindre chance à ces sauvages. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Par notre plan. Élimine-les tous. Ça chauffe pour moi. Je suis à court d'énergie. Ah.
sacré bordel. Il y a assez d'artillerie confédérée ici pour que ces dégénérés en fassent leur nouvelle religion. Détruisons tout. Il ne faut pas laisser la moindre chance à ces sauvages. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Les petits gars n'ont pas l'air emballés par notre plan. Élimine-les tous. Ça chauffe pour moi. Je suis à court d'énergie. Attention, ces gens fuiront à vos tours! Utilise le lasso! Terminal de forage. Ce machin utilise des pistons à fusion. Tu pourras te recharger là-bas. Si on y arrive. Le site de crash de Lully, c'est de l'autre côté de la ville. Approchez, mes jolis. Vous allez goûter à mes pruneaux. Nouvelle vague ennemie en approche. C'est pas un problème. Le comité d'accueil est là. De la chair fraîche nous barre la route. Content de voir que t'as retrouvé le sens de l'humour. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Ah, tu me feras toujours rire. Tous replis ! Poursuivons-les jusqu'au dernier. Alors là, on est fait pour s'entendre. On est enfin sur la même longueur d'onde. Supérieur en tout point. Bien défoulé. C'était un bon échauffement avant notre rencontre avec cette nénette de Final Echo. Final Echo, c'était nos remplaçants, Gray. Les nouvelles marionnettes de Sarano. Ta rage est mal dirigée. Une tourelle d'artillerie là-bas, à couvert. Je
On saura les accueillir. Foutez-moi ça, les gars! Et un de moins! Et tout le monde descend, enfoiré! Fini. Gray, je me sens mal. Je n'y arrive plus. Je faiblis. Tiens bon. Je m'occupe du gros œuvre. Accroche-toi. Des accus. J'ai besoin d'un peu de temps. Bon sang, je n'ai aucun port d'accès. Ici, réponds-moi. Oh, putain, quel coup de flip. Je me sens mille fois mieux. Ravi de l'entendre. Gray, j'ai provoqué une surcharge. Je prédis une explosion imminente au niveau du générateur de gravité. Eh ben moi, je prédis qu'on va foutre le camp d'ici et si ça... La chance nous sourit enfin. Un train de fret, droit devant. Dernier départ d'Explosionville. Embarquement immédiat.
Bordeaux s'est empassé. Il est superchargé en armement confédéré. Il a surtout l'air superchargé en cholestérol, ce gros tas. Continue de tirer, tu finiras par l'avoir. Fais-le! Je n'y comprends rien à ce truc! On a de la musique. T'es prêt à te battre? Je vais tous les tuer. Pour Doc, pour Ren. Alors là, je te retrouve, mon pote. Boum! Véhicule ennemi!
ces enfoirés! Hasta la vista! Avec mes compliments! Des vautours, trois camps! J'actionne! Ça éloignera le danger. Ouais. Les a neutralisés, mais leur train avance toujours. Encore cette putain de route! Qu'est-ce qu'on fout? Ralenti! Pour l'amour de Dieu, freine un bon coup, merde! Ils sont morts! Les freins sont morts, faut que je te le répète! N'éloigne pas! Ichi, ça va? Ça ira. C'est possible que ça casse les os du cul. On se barre. Ce truc ne tient qu'à un poil de cul. Un cap du pont, ça m'a l'air assez solide. On va vite le savoir. Chaud, chaud, chaud! Oh merde! Oh. Oh, on a de la chance d'avoir survécu. Une espèce de divinité doit veiller sur nous, si tu veux mon avis. C'est
c'est qu'une goutte de chance dans une mer d'infortune. Oh, grosse alerte! Enfin! Mets-toi à couvert! Ils sont tenaces, les enfoirés, c'est dingue! Leur hélico est endommagé! Ils vont tenter d'atterrir! Allez, avec un peu de chance, on pourra le remettre en état de marche et foutre le camp! Elle est pas belle, la vie? Oh que si! Le destin nous a gratifié d'une opportunité extraordinaire! Bien que ça. On peut peut-être y accéder en passant par ces grottes. J'adore ton optimisme. T'as vu la taille de cet endroit? Quand tu auras fini de faire du tourisme, j'ai repéré une sortie de l'autre côté de la caverne. Comment tu fais pour garder le contrôle sur ta moitié robotique? Je me suis engagé dans une lutte utopique pour préserver les gènes de mon espèce. Merci. Eh ben, sors-moi des blagues. Sois sarcastique, je sais pas, moi. C'est bien quelque chose que ta foutue intelligence artificielle peut pas comprendre. Ah, trop dégueu. C'est un nid. Espérons juste que leurs géniteurs traînent pas dans le coin. On est obligé de passer au milieu.